Bonjour, nous sommes à Maison Alfort, au parc de la mairie, où a été planté un arbre pour en commémorer la mort du commandant Beltrame. Et nous sommes avec Monsieur l'argilier de la société France Environnement, qui va nous expliquer comment il a planté cet arbre et avec quel type de produit pour pouvoir avoir une meilleure reprise. Monsieur l'argilier. Oui, bonjour Philippe. Effectivement, nous sommes donc au parc de la Croix de Lorraine, à Maison Alfort. Un arbre, un Aesculus brioti qui a été planté le 29 novembre dernier 2018 pour donc rendre mémoire à cette personne décédée lors d'un attentat. La technicité, c'était que nous sommes sur un parc en surélévation, donc telle une terrasse. Donc beaucoup de problèmes d'accès et puis bah, surtout une qualité de travail à présenter à la mairie qui était donc importante. Pour cela, l'arbre est arrivé depuis l'Allemagne en convoi exceptionnel, avec une fosse réalisée de 8 mètres cubes, et donc avec bah, tout un ensemble d'apports, entre autres de l'algrosyl-alguine. Et aujourd'hui, le sujet est suivi en arrosage avec du kick et biostimulation, de façon à éviter les descentes de cime et puis bah, à lui donner toute sa splendeur dans ce parc de la Croix de la Lorraine. Voilà, donc mission accomplie, pas de descente de cime, un bon développement du feuillage, une belle couleur. Je pense que l'opération est réussie et l'agrosialgine a certainement fait de belles choses au niveau du système racinaire. C'est une certitude comparée à d'autres sujets plantés sur la ville. Combien vous avez mis d'agrosil alguine? Nous avons mis 5 km3 d'agrosialgine.